Moins 1532 gemmes. Déjà, ça commence bien. La voir, hein. Oh mec, regardez son Emery, elle est buggée. Le 2 qui clignote avec un 6, les potes. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Méfant, on se retrouve pour une nouvelle Brawl Stars. Aujourd'hui, c'est pas copié des abonnés. Vous avez vu ma nouvelle casquette ou pas? Eh, elle est pas stylée. Je vous demande de mettre une note sur 10 en commentaire, s'il vous plaît. C'est parti, on fait pause, on met une note sur 10, on écrit son petit commentaire. Méfa, ta casquette, elle vaut un 0 sur 10, un 12 sur 10. C'est vous qui décidez. Voilà, merci Supercell qui m'a envoyé cette jolie casquette. Ça a fait plaisir. Aujourd'hui, pas copié des abonnés, donc abonnez à la chaîne, forcément, avec la cloche, tout ça, mais qui ont envoyé à bfa.pc4g.com leur moment de vérité, leur moment d'émotion, leur moment de peut-être de rage, c'est possible aussi, on sait jamais. Tout ça, c'est avec le mail en description de vidéo, avec grosfichier.com, très important, indispensable pour que je puisse télécharger rapidement et en bonne qualité vos enregistrements. Et puis voilà, puis après ça se passe comme ça, bim, voilà, 5000 pouces bleus si vous kiffez, et ça se passe qu'on va dans le shop. Enfin non, pas du tout, on va d'abord voir la liste de brawlers qui manquent, et il lui manque que Meg. Donc en gros, il veut jouer Meg. Voilà, code BFA dans la boutique, très important, avant de démarrer, toujours. Et là, il se dit, on va démarrer tranquille. Puis le mec, il a quoi? Il va vite, hein. Il a un... La vie de Tata Ginette. La vie de Tata Ginette. C'est pas possible. L'intro est trop violente. Moi, je peux pas. On peut pas commencer la vidéo avec une intro violente comme ça. Le mec, grosse boîte, bim, mec, il a que ça qui lui manque. Tu te dis, bon, gadget, peut-être. T'as même pas le temps de réfléchir, ça va vite en plus. Et là, on enchaîne avec un autre qui achète une offre. C'est plus le même. Il a pris Meg, il s'est barré. Il a pris, il dit, c'est bon, 51 brawler. Allez, hop, salut, BFA, merci pour... Allez, merci pour tout. Oh, belle. C'est... Ok, c'est chromatique. Lui, il enchaîne. Lui, il a acheté une grosse offre. Hein. Attention, 8 sur 8, bien joué, il est content. C'est bien. C'est sa dernière chroma qui lui manquait. Ça fait plaisir, le 2 qui clignote. Et il enchaîne bien. Il y a combien de mégaboîtes dans son truc? Je crois que c'est une offre à 20 balles quand même. Hein. Donc il devrait en avoir une douzaine, non? Genre. On va voir. 2. En tout cas, il enchaîne 2 Star Power, 1 Brawler. Oh, encore ça clignote. Tim, il est chaud. Gadget, radio militaire. Oh, frère. Le 1, ça, du coup, c'est des points de pouvoir. Là aussi, point de pouvoir. Donc, 2 mégawatts qui part en point de pouvoir. Ah, 2, encore un truc. Wouah, 3ème Star Power. Très gros câlin. Est-ce que... La question, c'est qu'est-ce qu'il lui manque comme brawler? Parce que... Il a tout max, en fait. Au niveau des... Il a tout le level 9, au moins. Voilà. Oh, encore un Star Power, frère. Mais il enchaîne, hein. Combien il y avait de boîtes? Ah, des tonnes, hein. Oh, des tonnes. Et il s'est mis plein de gemmes, en plus. Il s'est fait plaisir. 5 gemmes ici pour monsieur. C'est quand Sacha a 5 gemmes? Peut-être pas. Petit code qu'à sauter toutes les semaines. Allez, on re-signe. On se met bien. Ah, c'est, voilà, ça c'est fait. Il est content, il l'a fait 3 fois. Merci. Enfin, c'est moi qui suis content. Merci. On y va. Méga boîte. Le taux de drop, 0,14 pour la légendaire, 0 pour la... Ah, il lui manque que de la légendaire, en fait. Donc là, on va avoir une légendaire, on est d'accord. Ça spoil, là, direct. Ou alors un gadget. C'est gadget ou légendaire? Oh, c'est légendaire. Ça spoil de ouf. Le 0,14, il y avait 0,0 partout. Donc ça veut dire qu'il avait tout. Enfin, 0,0 partout, j'ai pas fait gaffe s'il y avait sur les gadgets, tout ça. J'ai pas regardé s'il y avait du 0 dessus, mais... C'est vrai que s'il y a du 0 dessus sur les... Ça veut dire, ouais, j'ai pas fait gaffe. Mais c'est trop dur, fallait faire pause, j'ai pas eu le courage. Ok, enchaînement. Ok, magnifique. Hey, il est vif, hein. Il est vif, cet opening, les potes. 49 gemmes ici. Il y a les séquences achats. Moi, je peux, là, je la crois. Moi, je pense qu'il va acheter un skin en promo. Pensez pas ou pas? Regardez, il y a le Clutch Shop. Skin en promo, 49 gemmes. Ah, il est pas en promo. Ah, il est même pas en promo. 49 gemmes. Attends, il en a 49, c'est ce qu'il a en plus, non? Attends, je sais pas. Il a 49 gemmes ou... Attendez, il est à 0, là? Ouais, magnifique en tout cas. Le call braqueur est magnifique. Il a une gemme et il avait 50. Ok, 83. Promo à 69. Ah, Nita en mer, frère, je le trouve envie. Ah, avec le petit code, bien sûr. Qui a encore sauté, hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Il y a des jeux, en fait, ils vous mettent le compte à rebours de quand est-ce qu'il va sauter. C'est pas mal, ils pourraient faire ça. 69 ici, Nita en mer. Et yop, petite sortie en mer. C'est sorti en mer, plus exactement. Très beau skin, hein. J'adore. C'est actuellement mon skin préféré de Nita. Voilà. Pas se le cacher, je l'adore, ce skin. Meg, donc il veut Meg. Il veut pas mal de brawlers. Top drop, je viens voir.
Ok, 00026 057 et j'ai pas fait gaffe à la légendaire, purée, je veux tout voir et j'arrive pas à voir du coup l'essentiel. Je sais pas si voir la légendaire, mais 026 sur la mythique, 056 sur la épique. J'ai remarqué que c'est à peu près le... On a deux fois plus de chances d'avoir une épique que d'une mythique, mais moi je pensais que c'était beaucoup plus que ça en vrai. Alors soit on peut le voir d'un côté, du coup, ah c'est pas si dur que ça d'avoir une mythique, soit au contraire on peut dire ah c'est pas si facile que ça d'avoir une épique. Voilà, le verre à moitié vide, à moitié plein. Il y a un 7, par contre ça c'est à moitié plein pour moi. Le 7 il fait plaisir, à part s'il se fait gazettiser, c'est le cas pour l'instant. Balle d'argent pour... Ouh, petit buzz, c'est l'équivalent d'une mythique les potes. Parce que avant H il y avait buzz, on est d'accord. Donc c'est propre. Si on est d'accord, mais j'ai un doute. Hein. Mais en vrai, non, je crois pas. Belle, c'est après. Belle, c'est avant. Il y a Belle, Buzz et H. Qui peut me sortir comme ça de tête les 8 chromatiques dans l'ordre? On va essayer de se le faire après, si on a le temps, je crois pas. Attendez. Le 1 ici qui clignote. Attention. Oh, Mr. P, ça fait plaisir. Mr. P. En vrai, ouais, il faudrait faire un quiz. Eh, je serais chaud pour le tenter, parce que moi, en vrai, j'ai suivi l'évolution du jeu depuis le début. Donc... Normalement, si j'avais de bonne mémoire, je pourrais être capable de vous sortir tous les brawlers dans quel ordre ils sont sortis dans le jeu. C'est... Ouais. Mais déjà, on va faire les chromatiques. Première chromatique. C'était pas Gaël, non? Ah, déjà, rien que la première, déjà, je bug. C'était pas Gaël, c'était qui avant Gaël? Non? Si, c'était peut-être Gaël. Ah, je sais plus. Faut que je revisualise pas tout. Lou, c'est après. Médor, c'est après. Ok. Bon, ok. Restons sur le truc. C'est pas la vidéo pour. Allez, le 1, 0, Wally ici. Le 3 ici, 2, 1. Buzz, l'éclair. Méga boîte à nouveau, un petit 7. Je le sens. Et non, 6. Ah, j'étais pas loin. C'est bien, ça a porté chance. La chance, ça. Allez, vas-y. Allez, c'est maintenant. Tu peux assurer un truc, là. Oh oui. Oh oui. Oh, il a assuré la petite goutte. Quand on voit la petite goutte de nez qui tourne en bleu. Sur fond bleu ciel, ça fait plaisir. Enfin bleu, voilà. Petit bleu ciel. C'est bien. Ah, Emery, c'est bien. Emery, j'adore. Est-ce que je préfère Emery à Meg? Mais en vrai, Meg, c'est tellement OP en ce moment que Meg, c'est plaisant. Mais je sais pas, on verra. Pour l'instant, c'est Meg. Meg, c'est vraiment le brawler à jouer. Ok. En plus, elle est sympathique, en vrai. Le petit robot, tout ça, machin. Princesse Shelly, et merci pour le soutien. Petit achat du Brawl Pass, ceci dit, voilà. Ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir. Wally, d'entrée de jeu, même pas j'ai réagi parce que j'ai cru qu'il débloquait un brawler basique. Mais en fait, c'est Wally, les potes, hein, mythique. Hein. C'est 0,25 à peu près. Hein. Donc on est sur. Une chance sur 2000. C'est une chance sur 2000, 0,25, non? Je dis pas, puisque 0,25. 1% de chance, c'est une sur 100. 0,1, c'est une sur 1000. Ah bah non, alors je dis une bêtise. C'est une chance sur 100. Une chance sur 500, il l'a eu. Ok, bien joué. On continue. On y va. Pas. Non. Enchaînement. Corbac qui est présent. La Corbac, Wally, bon ça va. En vrai, ça va, t'es bien. 29 gemmes, là, je pense que c'est un peu là. Ça va falloir ouvrir des boîtes, je pense. Ou alors il va nous trouver quoi? Il y a quoi à 29 gemmes? Ah, il y a un skin à 29 gemmes! Beau guerrier 29 gemmes! Mes potes, moi je me suis dit à part les. Même en. Ah, je sais pas, j'ai plus la notion des prix. C'est le 29, c'est pas le. C'est le minimum du minimum pour avoir un skin alors en 29 gemmes. Ah, je sais plus. Hein. Je suis paumé. Hein. Tellement d'habitude de payer un Red Lion YouTube SVP. Go s'abonner! Code BFA. Merci frérot. Qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Un petit bravo. 74 gemmes, là déjà je suis plus confiant. Il y a peut-être... Ah, Neko, bien, Neko, 69 gemmes. La petite promo. C'est vrai que c'est tentant, les promos. Frère, j'ai envie d'avoir un deuxième compte pay to win, rien que pour avoir acheté full promo, en fait. Rien que pour avoir le plaisir d'acheter quelque chose en promotion. Je crois que j'ai jamais acheté... Enfin, en tout cas, en termes de skin, on les a toujours achetés dès le début, donc j'ai jamais acheté un skin en promo. 004, c'est pas lourd, 004, hein. C'est moins de... C'est moins... 1 sur 2100, 1 sur 2200, un truc comme ça. Enfin, c'est plus facile que d'avoir une 5 étoiles sur un Genshin Impact quand même. Hein. La fille a une Kiki, je vous le dis. On peut faire une grosse dédicace à Kiki dans les commentaires, qui a eu sa première 5 étoiles, Nat. Enfin, il n'y a pas que des Nat hein, sur les 5 étoiles, sur Genshin Impact. Ça fait plaisir. En free to play.
full free, tout plaît. Pas un euro. C'est beau. Pilule anti-stress. Attention, attention. Oh, mec, là, c'est du karma. C'est du karma, le 7, là. Il faut du counter karma, les potes, là. 5. C'est pas là, hein. C'est pas là. Il a 14 000 trophées tout rond. La méga boîte des 14 000. Il a sué pour l'avoir, tout rond. Hein. Il l'a fait pour la vidéo, il mérite quelque chose. Il a le 6, peut-être maintenant. Un petit quelque chose à grignoter. Allez, oh le 2, oh mec, c'est un 6 qui clignote à 2, ça c'est magnifique. Ah purée, star pour réalisation, pirouette protectrice. Oh oui, oh, c'est encore Emery, oh, ça fait deux fois que c'est... Ça fait deux fois que c'est le oh oui sur Emery. Oh ça c'est plaisant les potes, ça c'est plaisant, le mec il s'est donné du mal à aller chercher ses 14 000 TR pour sa méga boîte. Les autres n'avaient pas... Enfin il s'est fait star powerisé partout. Bon, ce qui est sympathique aussi quand même d'avoir des star power, mais c'est pas le but principal de la méga boîte, on a plus envie de... Bah quoi que si, ouais, c'est quand même 2000 boules hein, dans le shop, hein. Donc s'il a pas trop d'or, c'est quand même pas facile au début l'or. L'or c'est pas facile au début, et à la fin, ça, une fois qu'on a tout fait, c'est l'inverse. Ça déborde et on peut commencer à s'acheter des spins argent massif et j'en passe. Il veut Corbac, ou alors il a fait ça sur... Je pense qu'il veut Corbac. Vous pensez qu'il va avoir Corbac? La petite boîte, oh purée la petite boîte, je l'ai tellement senti là. Je sais pas, elle avait une petite vibration, j'y croyais tellement la petite boîte, non. Finalement non. Les grosses, deuxième grosse ici, 3, 2, uno, rien du tout, la méga peut-être. Le 6, oui, c'est maintenant. Il va avoir Tara. J'ai fait un pré-shot. Hein. Oh, Byron, bon, c'était pas loin. Bon, le point commun, c'est que c'est mythique. Mais bon, j'étais un peu loin, c'est vrai. J'étais un peu loin. Byron, ok. Byron. Biron. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des birons en vrai. On les oublie, c'est brûlant. Moins 1532 gemmes. Déjà, ça commence bien. 20 000 TR. Moins 5532 gemmes. Le petit squeak, il veut squeak. Il veut squeak. Ok, bah il veut squeak. Bah tu vas squeak. Tu peux l'avoir. Hein. Oh mec, regardez son Emery, elle est buggée. Et il est passé vite dessus. Mais remets Emery. Regardez Emery, elle était toute black. Il a encore le... Attendez, moins 1532 gemmes, Emery Black, le mec il a un compte, il est full pété son compte. Et il veut grave Emery. Il veut grave Emery les potes. Et mec c'est une incantation qu'il nous fait, je vous le jure. Le 6, ok. Ça sera... Moi je sais pas, il le fait trop comme s'il va se passer un truc. J'ai pas envie de me faire un ascenseur émotionnel. Je pense qu'on va démarrer sur un... Ouais, peut-être une mythique. Ah, le 2 qui clignote avec un 6, les potes. Oh! 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 Ah, mec, son compte, il est trop pété, frère. Putain, c'est pas possible, c'est un compte. On dirait même pas que c'est un vrai compte. C'est un vrai compte, genre. Wouah, mec, il a fait un 6. Un 6 de clignote. Double légendaire parce que H il équivaut une légendaire maintenant, donc après Ambre, l'Emery en black, les 1000 je sais pas combien de trucs négatifs. Mec, c'est quoi ce compte? Fais voir, 20 000 trophées là. Comment il s'appelle? Matrix, frère. Et en plus, il s'appelle Matrix. Il nous a Matrix, c'est de ouf. Oh frère, je suis choqué. En fait, je suis choqué de tout. Et puis, comment il est resté sur la boîte? Genre. Attention les mecs, vous êtes pas prêts. Mais mec, j'étais grave pas prêt. Déjà, quand j'ai vu ton site, je me suis dit, bon, au mieux, il y a... Ok. Allez, au mieux, il y aura eu la légendaire. Une, mais mec, il y en a une deux. Oh, frère, c'est abusé. Les records du monde de... Quoi, là? De chance mélangée au paranormal bug. En paranormal, frère, la dernière vidéo, c'était déjà du paranormal. Il a reparanormalisé la chose. Ah, la vie de Tata Ginette que... Longue vie à Tata Ginette, mais... Quand même. C'est quoi son rouge là à gauche? C'est stressant ça par contre. Et le petit Mortis truand, on dit pas non. Il y a eu un petit achat de petit tortionnaire plus Mortis. Bon, ça se positionne sur des bons petits achats. Merci à ceux qui soutiennent. Voilà, vous passez en vidéo, ça fait plaisir. Quoi d'autre? Quoi d'autre après ce qu'on avait vu? Mystérieux machin. Vous êtes Matrix, il s'appelait le mec. Hein. Ah, maintenant je commence à avoir un peu d'être vif dans le regard, dans les pack opening des abonnés, comme ça j'essaie de pas manquer une information qui passe, bim 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 bim. Ce qui est très difficile quand vous parlez en même temps, je vous cache pas. Hein. Loup Ferrigno. Allez, 4 sur 7. Le petit loup.
D'ailleurs, je remarque que quand je vous fais des refs, vous ne les trouvez pas. Hein. Lou Ferrigno, c'est dans Hulk, incroyable Hulk, la série d'époque de 1978. Que vous étiez pas né, vos parents non plus. Bon, ça finit comme ça les potes. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais la bise, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.